Antoine, Clément qui rentre en premier, le porteur. Voilà, une amie là qui vient nous rejoindre aujourd'hui, Sonia. Allez-y. Alors la première est là, et etc. Allez, ouais, je vous mets là, bon, allez. Il y a des évolutions dans la viticulture qui sont des évolutions normales, le progrès, la machine qui enlève certaines peines à l'homme. Hein. Mais c'est vrai que moi je souhaiterais quand même qu'elle reste à une échelle humaine. C'est-à-dire que la, je ne suis pas trop pour une viticulture qui devient trop industrielle. Moi, hein. C'est vrai qu'au vin, maintenant, beaucoup de gens associent l'industrie. Alors est-ce qu'ils ont raison? Peut-être oui, dans la. Là, ce qui se passe au niveau mondial, mais est-ce que c'est la est-ce qu'il faut les deux? Parce que nous, peut-être, là, le 4, on travaille pour qu'il y ait les deux. Pour qu'il y ait à la fois l'image, hein, l'image, mais avec une réalité de produit, hein, pas simplement l'image pour l'image, hein, et en même temps, le progrès. Autant on doit accepter les progrès et les utiliser, autant il faut faire attention que ça ne nous amène pas sur des chemins où de toute façon la concurrence telle qu'elle est nous permettrait pas de toute façon de vivre mieux de notre travail. Quoi, hein. L'hiver, quand le grand vent du nord, quand les grands vents du nord pénètrent jusqu'au corps, même si on est bien habillé, effectivement, c'est pas pareil. Mais enfin, moi j'aime tellement ce plateau que bon, c'est agréable aussi, ce froid, ce vent du nord qui balaye tout. Moi, ça me déplaît pas. Je trouve que ça fait partie de sa singularité à ce plateau. Là maintenant il y en a. Il y a toujours eu des amandiers en bordure de vigne. Et il y avait aussi beaucoup de pêchers en bordure de vigne. Et dans une période pas si lointaine, la pêche de vigne de Leucate était très réputée. Et beaucoup de vignerons, disons à une période où de déprise agricole, hein, viticole pour le secteur, disons, à allonger leur fin de mois par la vente de pêche de vigne, et ce qui était pêche qui était très appréciée. Aujourd'hui, cette pêche de vigne, il n'y en a presque plus, alors c'est peut-être dommage, et bon, c'est peut-être quelque chose à remettre en circuit. Tous ces murets montrent bien le travail des hommes qui ont modelé ce plateau, puisqu'en fait, à la main, puis actuellement avec des machines plus puissantes, mais la roche était extraite du sol, et donc mise en tas, puis arrangée à muret. Et c'est vrai que le plateau est actuellement, et toutes les vignes du plateau sont entourées de petits murets, qui hélas, des fois, ne sont pas en bon état à l'heure actuelle, mais enfin, on a travaillé depuis des années à des opérations et à des aides pour la remise en place de murets autour des vignes. Le plateau, c'est un territoire très riche, hein. Très riche, il y a un peu de tout, hein, au niveau faunistique, au niveau. On y chasse, oui, le lapin, la palombe. voilà. C'est un métier que j'aime bien. Ouais. Un des gros avantages de la coopération, de toute façon, son nom le dit, hein, c'est la mise en commun. C'est la mise en commun de moyens et d'intelligence, hein, et d'intelligence, hein, et ce qui permet effectivement d'avoir certaines libertés pour autre chose, quoi, et ce qui permet également aujourd'hui des progrès, parce que coopération, à un moment donné, ça avait une mauvaise image, hein, mais aujourd'hui je crois que dans la coopération il peut y avoir une très bonne image. Allez, là, tiens.
Dans la coopération, un petit apporteur, qui est exploitant, bien sûr, un petit exploitant, a le même droit dans une assemblée générale qu'un gros propriétaire qui a une grosse exploitation. Donc c'est un homme, une voix. Je pense que ça permet quand même de garder cette singularité à la viticulture française. Ça peut, avec les évolutions, ça peut des fois bloquer. Ça permet aussi quand même d'avoir des idées que peut-être certains n'auraient pas. Et puis c'est un des principes de la coopération qui, à mon avis, il ne faudrait pas abandonner.